L'appel circulation des œuvres littéraires européennes soutient des structures publiques ou privées actives dans le domaine du livre, ayant des projets de traduction d'œuvres de fiction. En soutenant la traduction, la publication, la distribution et la promotion du patrimoine littéraire européen, mais aussi les activités de vente de droits de traduction en Europe et au-delà, l'appel a plusieurs objectifs. Renforcer la circulation transnationale des œuvres, leur diversité linguistique, en encourageant par exemple les traductions de langues plus rares, et donc atteindre de nouveaux publics. Le but est également d'encourager la coopération au sein de la chaîne du livre, de renforcer la compétitivité du secteur et de valoriser les métiers de la traduction. Par exemple, cet appel peut soutenir une résidence d'écrivains de poésie contemporaine qui souhaite promouvoir une collection d'ouvrages bilingues et créer un réseau de traducteurs entre langues minoritaires en Europe, une maison d'édition indépendante d'œuvres de grand format et de traduction vers et du géorgien, du serbo-croate, de l'arabe ou de l'ukrainien, ou encore un réseau de librairies éphémères travaillant à rompre les fractures territoriales. Les structures éligibles, qu'il s'agisse d'auteurs, de traducteurs, d'éditeurs, mais aussi par exemple de festivals ou d'événements littéraires, peuvent être de toute taille. Elles doivent cependant réunir les compétences et les ressources humaines et financières pour mener à bien le projet. Elles doivent également démontrer une expérience dans des projets comparables à la proposition soumise. Trois échelles de traduction sont possibles. La petite échelle, entre 5 et 10 livres différents. La moyenne échelle, minimum 11 livres différents, et la grande échelle, minimum 21 livres différents. En tant que Bureau Europe Créative France, le Relais Culture Europe vous oriente dans cet appel, travaille avec vous à toutes les étapes de vos projets et crée des endroits d'échange autour de vos problématiques. Retrouvez plus d'informations, les dates de dépôt des appels et de nos rendez-vous d'appui sur notre site internet et abonnez-vous à notre newsletter.